렘넌트들은 허감 문화를 빛의 문화로 바꾸는 주역입니다. Alors, les remnants sont les figures principaux qui changent la culture de ténèbres. 그래서 렘넌트 때 두 가지 준비해야 됩니다. Alors les remnants doivent préparer deux choses. 자, 아무래도 초등학생 때는 기초를 다지는 거죠. Alors, dans des écoles, vous préparez la base. 이제 중학생쯤 되면은 이제 어떤 학업에 좀 이렇게 구분이 나옵니다. Alors, quand vous allez finir des écoles, vous allez voir. 이제 고등학교 때까지 여러분들 이제 달란트를 발견하는 거죠. Alors, au lycée, vous découvrez votre talent. 그래서 대학 청년이 딱 되어지면 두 가지를 해야 돼요. Alors à l'université, quand vous êtes adolescent, il faut faire deux choses. 아, 복음에 관한 이 능력이 여러분에게 300% 준비가 돼야 돼요. Alors il faut préparer la puissance de l'évangile. 그게 무슨 말인가 하니까 하나님이 내게 주신 성령의 인도에 받는 망대가 100%짜리예요. C'est-à-dire, vous devez avoir la tour où vous pouvez être dans la conduite du Saint-Esprit. C'est très simple parce que vous pouvez le préparer par la prière. 사실상 렘넌트는 한 번만 기도도 되는데 매일 하면 어떻게 되겠어요? Pour les remnants, si vous priez une fois, ça va marcher. Alors imaginez, vous priez tous les jours. 여러분 잘 모르고 있는데 렘넌트는 어쩌다 은혜 받았잖아요. 그게 또 평생 가요. 그런데 매일 한다면 이건 다른 얘기예요. Les remnants, s'ils reçoivent la grâce de Dieu un jour, ça va beaucoup en partir. Mais imaginez, 예, 세상 나가기 전에 이걸 준비하란 말이에요. Avant que vous partez sur le terrain, il faut préparer. 이거는 하나님 주신 거기 때문에 모자라지 않고 100%입니다. Alors c'est quelque chose que Dieu vous donne, donc il va, il y aura rien qui va manquer. 어디다가 내가 이정표를 세울 거다. 그걸 준비해야 돼요. Alors il faut préparer où est-ce que vous allez mettre ces points de repère. 프리메이슨들은 맥도날드를 세우는데요. 여기다 세웁니다. Alors, les primaçons, ils ont établi ces points de repère chez McDonald's. C'est ce que vous devez garder dans votre cœur. Où est-ce que vous allez mettre ces points de repère? 여러분의 업입니다. Alors, c'est ainsi, vos travails, vos affaires. 내용을 100% 준비해야 됩니다. Alors, il faut préparer 100% le contenu de votre travail. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous êtes sûr. 그리고 뭡니까? Ensuite, 현장성입니다. 이걸 100% 준비해요. Alors, vous devez préparer le sens de terrain. 뭡니까? 지속해야 되니까. Puisque vous devez continuer, il faut avoir système. 이걸 준비하란 말. Alors, c'est ce que vous 얼마나 간단한 거 아니까? 기도로 하도. C'est très simple parce que vous pouvez les préparer. 예수님이 par 기도 la 외에는 다른 유론이 나갈 수 없다고 했습니다. Jésus vous a enseigné la prière. 예수님이 말씀하셨습니다. 오직 성령 충만 받으면 증인 된다. 이게 성령 충만. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. C'est par la prière que sera possible. 그리스도께서 주신 것으로 충만하면 그게 성령 충만이에요. Alors si vous êtes rempli de ce que Jésus-Christ vous a donné, remnant들, TCK들은 ça suffit. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Les remnants doivent absolument 그래서, prier pour ça. 내가 뭐 영적 문제 그런 걱정하지 마. 하고 있으면 없어져요. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous soucier de vos problèmes spirituels? C'est pas grave, vous rentrez dans la prière, alors ces problèmes vont se disparaître. Votre santé même sera restaurée, naturellement. Vous n'avez pas besoin de travailler beaucoup pour gagner de l'argent, ça va venir. 플랫폼, 빛을 바라는 파수망대, 안테나를 딱 가지고 있으니까 온다니까. Alors, si vous êtes les gardes et la tour des gardes, vous serez des antennes. Alors, la réponse viendra. 휴대폰 사가지고 여러분 이름하고 입력하면 다 와요. Alors, quand vous achetez un téléphone portable et que vous vous enregistrez, toutes les informations viennent dans votre portable. 렘넌트 때 이 준비를 지금 시작하는 겁니다. Alors, les remnants doivent préparer cela. 늘 얘기하지만 여러분이 아무리 안 좋은 환경에 있어도 이거 준비된 사람은 성공합니다. Alors même votre situation n'est pas facile si vous êtes prête avec cela. 이거 준비 안 되면
무조건 세상의 신부로 매입니다. Alors si ces choses-là ne sont pas prêtes, vous allez faire vous allez servir le monde. 사실상 사탄의 신부로만. Finalement, vous servez Satan dans le monde. 아무리 그 사람이 뭐 성공했다 치더라도 세상 신부로만 하다 죽어. Alors même s'il y a des grands figures, des personnages, ils vont servir Satan. 없지. Parce qu'ils n'ont pas de Christ. Mais nous, devons sauver le monde avec le Christ. Alors, c'est pour ça qu'il faut se préparer. 그러면 여러분 이미 잘 알고 있지만은 한번 예를 들어보겠습니다. Alors, je vais prendre un exemple, même si vous le connaissez très bien. 이미 요셉이 준비해왔잖아요. Alors, Joseph était déjà prêt. 괜찮고, chapitre 감옥이라도 괜찮고, 어디 가도 괜찮아. 이미 Alors, n'importe quelle circonstance, situation n'ont pas emporté parce qu'il avait déjà préparé ces choses. C'est ça la clé. 기도하지 말고 그것도 괜찮아. Alors, vous devez absolument prier dans la vie. 삶이 나와요. Mais la vie doit venir de la prière. C'est ça, 24 heures. 우리가 막 밥도 안 먹고 잠도 안 자고 이제 기도만 하고 이제 그건 아니잖아요. Alors, il faut bien sûr manger, dormir. 기도 속에서 삶이 나와야 되고 기도 가지고 가야 돼요. Alors il faut aller sur le terrain avec la prière. Votre vie doit venir de la prière. 그래서 불신자가 보고 말했잖아요. Alors c'est pour ça le non-croyant avait dit à Joseph. 이게 전도의 증입니다. Alors Joseph 우리 레몬트 보고 와서 témoin de l'évangélisation. 고민을 얘기하고. C'est le non-croyant qui avait parlé de ses soucis à Joseph. 또 자기 어려운 부분을 이야기할 수 있어야 돼요. Alors, on parlait des difficultés. 네. 실제로 모세가 그 이 준비가 세 가지가 다 된 거예요. Alors, Moïse avait aussi préparé ces trois choses, Exode 왕궁에서. Dans le royaume, 광야에서. Dans le désert. 광야 가기 전에 미디안에서. En Midian. 준비 다 됐습니다. Il a préparé cette chose. 모세 가는 것은 나이 상관없이 지팡이 하나만 가지고 갔는데 역사를 났어요. Alors son âge n'était pas un problème avec les canne que Dieu lui avait donné. Il a conquis dans n'importe où il allait. 사무엘이 미스바 운동을 했습니다. Alors Samuel a mené le mouvement de Mispa. 그리고 참고해야 됩니다. 쉽게 폈어요. C'était même très facile. 왜냐? 미리 가지고 있으니까. Pourquoi? Parce qu'il possédait en amont. 이걸 미리 가지고 있단 말이에요. En amont. 사무엘은 사무엘의 말이 한마디 땅에 떨어지지 않았다. Alors sa parole n'était pas tombée par terre. 사무엘이 살아있는 동안에는 전쟁이 없었다. Et il y a eu aucune guerre pendant la vie de Samuel. 사무엘이 살아있는 동안 사무엘을 본 사람들은 여호와를 믿었더라. Pendant sa vie, tout ce qu'ils ont vu ont accepté Jésus-Christ. Remnant를 놓치지 마세요. Alors le remnant ne ratez pas ce mystère. 기도 힘 가지고 문제 속으로 들어가는 거지. 문제 만나서 기도할 수도 있습니다. 넣습니다. Alors il faut rentrer dans les problèmes avec la puissance de la prière. Si vous commencez à prier quand les problèmes sont venus, 기도 힘 얻을 수 있습니다. Vous pouvez gagner la puissance de la prière. 넣다니까요. C'est tard. 기도 힘을 가지고 가는 거예요. Il faut y aller avec la puissance de la prière en amont. 얼마든지 뭐 때문에 내일 예배드립니까? 하나님 주신 그 힘 얻고 말씀 그럼 보는 거예요. Alors pourquoi vous donnez le culte demain? Alors vous allez recevoir la parole de Dieu et vous voyez le courant de sa parole. 절대적인 흐름을 봐야 돼요. Il faut absolument voir le courant absolu. 목사님이 똑같은 설교인데 흐름이 나가 다르고 우리 현이가 다르고 다르다니까요. Alors, tout le monde, ils ont différentes vies. Alors, c'est pour ça, il faut rentrer dans ce courant absolu. 하나님 말씀 흐르는데 대학생하고 초등학생 같아요? 다르지. Alors, bien sûr, ça va s'appliquer différemment à chaque personne. 그래서 정확하게 신앙생활 예배를 하루도 안 드리면 안 돼. 그게 정상적인 사람. Alors, la vie la plus normale, c'est que la vie où vous donnez le culte. 예배 안 드려도 괜찮다. Alors, est-ce que c'est pas grave si vous manquez des cultes? 미안합니다. 지구상에 없어도 되는 사람입니다. Alors, je suis désolé, mais on n'a pas besoin de vous. 나는 교회 와서 예배 뭐 잘 안 들어도 괜찮아. 그 사람은 정말로 손해보고 있는 사람. Alors, absolument, vous êtes en train de perdre quelque chose si vous manquez des cultes. 저는 어떨 때는요, 내일 설교 준비를, 저는 일주일 동안 하거든요.
Alors, je prépare la prédication dominicale pendant une semaine. 토요일부터 안 자고 하나님 앞에 기도. Alors, de samedi, je ne dors pas, je prie à Dieu. Parce que je dois avoir la réponse. 하나님이 전 세계를 향하여 우리 성도님들 향해서 무엇을 주시려고 하나 말이요. Alors, qu'est-ce que Dieu vous désire vous donner? 그것이 물어보는 겁니다. Je fais des erreurs. 계속 기도해야 Dieu. 돼요. 성도님들은 하나님의 말씀 흐름 그거 따라오는 거지. 목사님이 뭐 이랬다 저랬다 상관없어요. Alors finalement les membres de l'église ils suivent la parole de Dieu, le courant de la parole de Dieu, mais pas les pasteurs. 목사님이 하나님 말씀 읽으면요. 거기서 답 나와요. Alors c'est pour ça les pasteurs, si vous lisez la Bible, il faut avoir la réponse de la parole de Dieu. 만화책을 읽고 이러면 안 되지. 그렇지 않은 이상은 Alors c'est ce qui doit être. 렘넌트들은 절대로 놓치지 마세요. Alors la remnant, il faut pas rater la prière et le culte. 지금 준비를 하는 겁니다. Alors vous êtes en train de se préparer pour ça. 드디어 골리앗을 만났어요. Alors finalement, il a rencontré. 골리앗 만나기 위해서 준비한 게 아니에요. 이미 돼 있었던. Alors c'est pas pour rencontrer le géant David, s'était préparé, mais il s'était préparé prêt. 그 avant. 소리 들으면서 다윗은 확신했잖아요. 그렇죠? Alors David avait l'assurance. 300% 준비된 사람이야. 확신했어. Il avait déjà cette préparation finalisée de ce 30%. 오늘 내가 골리앗을 없애야 되겠다. 딱 확신 왔어. Alors, il avait l'assurance qu'il allait 준비돼 있다니까. Tuer le géant. 그 형들은 얘기, 형이 미쳤다. 요가 그랬잖아. 교만한 놈이라고. 이게 원리니까 교만한 놈이야. Alors, ses grands frères sont moqués de David. 이게 되겠냐, 이랬어. Même le roi Saul avait doute. 여호와께서는 저를 사자와 곰에게서 건져주셨습니다. Mais je vous dis, l'Éternel m'a sauvé dans les fosses de lion. 모욕하는 자에서 저를 건지실 줄 믿습니다. J'ai la conviction que Dieu me sauvera de celui qui insulte le nom de l'Éternel. 너는 칼과 창과 단창으로 왔지만 나는 만군의 여호와 이름으로 왔다. Tu viens avec l'épée et des armes, mais je me mets devant toi avec le nom de l'Éternel. 네가 조롱하는 Le nom de l'Éternel. 그 여호와 이름으로 왔다. 알았어. Le nom de l'Éternel que tu insultes, tu moques. 생명이 칼에 있지 않음을 증명하겠다. 알았어. Alors je vais te montrer que la vie n'est pas dans l'épée. 여호와께서 참 하나님이심을 온 세계 알리겠다. 알았어. Mais je vais montrer que l'Éternel est. 오늘 여호와께서는 radio. 네 목을 내 손에 붙이셨느니라. L'Éternel m'a donné ta vie. 확실하게 얘기했습니다. 말 떨어지자마자 끝났던 것이. Alors, dès que David a fini sa parole, le géant est mort. 어디를 때리냐? 아니, 사자 곰에 급소로 때렸다는 거 다윗이요. Alors, David l'a tué en mettant la pierre sur le front. 준비됐습니다. Alors, David était déjà prêt. Quand il était remnant. Croyez cela? 엘리사입니다. 엘리즈. 다른 선지자들은 뭐 베델, 길갈 뭐 이거들 아니죠? 나에게 갑절의 영감을 주옵소서. On cherchait le chemin pour aller Bethel, Gilgal, mais 준비됐으니까요. 또 다른 성운도 있나 이제. Demandez la double portion de la grâce. 이게 우리 렘넌트의 것입니다. Le moment de Totan. 포로되어 왔습니다. Alors Daniel est envoyé comme captif dans Daniel chapitre 1, verset 8 à 9. 왕궁에 뽑힌 받았습니다. Mais il a été sélectionné dans le royaume. 줄 압니다. Et Daniel savait pourquoi. 이사야의 메시지를 듣고 준비된 사람이. Alors Daniel était aussi prêt par la parole de prophète Esaïe. 왕 네 명을 지도했어요. Il a. 하나님 기회 좀 그렇게 됩니다. 4 rois dans sa vie. 심부름했는데 답이야. Alors, Daniel a fait des erreurs, mais il savait très bien la fin. Et c'est comme ça, il était préparé déjà. Alors, finalement, à la synagogue. Et c'est ainsi le monde a été évangélisé.
Il faut absolument se souvenir de ça. 그냥 편하게. 그냥 아침 장으로라도 그냥 할게 하세요 이렇게. Alors ça peut être quelque chose de très confortable. Dès que vous vous réveillez, vous faites une prière. 사실은 렘들이 일주일에 한 번 해도 돼요. Alors les remnants, vous pouvez le faire une fois par semaine même. 또 까먹고 안 할까 싶어서 내가 매일 해라지. 저는 매일 합니다. Alors moi je fais tous les jours et que j'ai peur que vous l'oubliez. Donc je vous dis de faire tous les jours. Mais quand je me réveille, je fais cette prière. 편안하게 호흡하면서 시작. Avec une respiration très confortable. 오늘 아침에는 예, 3시 기상 지금까지. Alors aujourd'hui, je me suis réveillée à 3h du matin. Jusqu'à maintenant, 1대1 호흡을, 편안하게. Jusqu'à maintenant, je prie. 그럼 이제 여러분을 만나는 거는 많은 분을 만나거든요. 기도 속에서 만나는 거죠. Alors quand je suis seul, je fais la respiration avec la prière. 그러니까 quand 저는 je me rends compte, 여러분을 보면 전부 내 축복의 사람으로 보여요. Continue la prière. Alors quand je vous vois les personnes bénies. 기도 안 하는 사람들은요. 지 생각대로 판단합니다. Alors ceux qui prient pas, il va voir les gens avec son opinion. 제가 얼마나 기도를 안 했으면 너무 가방 들고 다니니까 다 쳐다보고 말이지. Alors, à quel point que les pasteurs ne prient pas, ils voient les autres choses des membres de l'Église. Alors, ces bénédictions précieuses, les gens le ratent. Donc, avant que vous alliez dormir, il faut aussi faire cette prière, c'est très important. Parce que quand vous vous réveillez, vous devez restaurer votre cerveau. Et pendant la nuit, il faut aussi faire relaxer votre cerveau parce que tous les problèmes et les maladies viennent du cerveau. 우리 렘넌트들 반드시 승리할 겁니다. Donc les remnants vont avoir la victoire. Je vois cette époque à venir. 감사하게도 우리 렘넌트들이 장로가 되고 그러니까요, 이 달라요. Alors, je suis très reconnaissant parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup des enfants, des pasteurs à l'étranger qui sont souffert parce que c'est pas possible. Mais ces missionnaires sont quand même rentrés dans ces pays où l'évangélisation pouvait être très difficile. Alors maintenant, si je vois les remnants qui sont en Europe, qui sont nés en Europe, dans d'autres pays, et ils servent l'Église maintenant, et les missionnaires sont renforcés. Alors, nous venons au nom de Jésus-Christ qu'aujourd'hui et demain, que vous recevrez beaucoup de grâce de Dieu et de bénédictions. 내일, 오늘, 말씀하고 기도하는 중에 모든 흑암 세력이 결박되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 렘넌트들에게 보좌의 능력을 누리도록 축복해 주옵소서. 흑암에 빠진 문화를 빛의 문화로 바꾸는 주역이 되게 하옵소서. Et qu'ils deviennent les figures principales qui changent la culture de ténèbres à la culture de lumière. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.